Salut, salut, bienvenue à l'émission 7 minutes avec. L'émission 7 minutes avec aujourd'hui sera avec Franco Le Mignon. Restez scotchés. Franco Le Mignon. Le nom, c'est Tumsi François, originaire de l'Ouest, Camerounais et fier d'être Camerounais. Voilà, je suis promoteur de deux entreprises. Vision Pro, Studio Vision Pro à Soyangousso. Je suis un influenceur web, réalisateur. Je suis également infographe, photographe. Voilà. Oui, l'anecdote autour de mon frère, je pense que les réseaux sociaux en parlent déjà et je ne vais plus revenir dessus. Tout le monde connaît et voilà, c'est un frère. Tout ce que je demande à mon frère, c'est de revoir sa manière de vivre avec son entourage, avec son personnel. Ouais, comme je l'ai toujours dit, ce que vous nous voyez faire sur le net là est plus difficile que le travail d'un pousseur au marché. Je dis toujours ça aux jeunes. Donc, pour celui qui pense qu'il va venir sur le net et que ça sera facile, honnêtement, la seule chose que tu pourras avoir sur le net, ce n'est que le porte-monnaie magique. Hein? Ce n'est que là-bas que c'est facile. Donc, si tu veux être créateur de contenu, sachez donc que c'est toute une procédure. Parce qu'il faut d'abord maîtriser le montage vidéo, il faut maîtriser la gestion des réseaux sociaux, Facebook, YouTube. Donc, les gars, je ne vous décourage pas, osez lancer parce que aujourd'hui, le digital paye. Et ça nourrit son nom. Oui, fervent croyant, oui, je crois bel et bien en Dieu parce que l'air que je respire, la vie que j'ai, c'est Dieu qui me donne cette vie. La santé que j'ai, c'est grâce à Dieu. Toutes mes réalisations, c'est grâce à Dieu. Je suis baptisé avec mon épouse et mes enfants à l'église évangélique du Cameroun. Comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas facile, mais il faut oser. Parce que qui ne risque rien, n'a rien. Premièrement, il faut être créatif. Faut être créatif parce que si tu n'es pas créatif, honnêtement parlant, tout ce que tu pourras faire, c'est le buzz. On a vu des gens qui ont fait du buzz en un mois, en une semaine, après on n'a plus jamais entendu parler de ces personnes. Il faut être à la base créatif. Et de deux, les contenus que vous voyez déjà partagés ailleurs, quand vous les utilisez, par exemple nous qui faisons les collages, des images, la monétisation est très compliquée chez nous. Donc, c'est pour cette raison que je parle de la créativité. Apprenez à créer vos propres concepts, créer vos contenus. Là, vous aurez moins de problèmes au moment de la monétisation. Parlant de la collaboration que je souhaite avec la belle la mère de Gloria, on a déjà eu à fait des échanges, à échanger. J'espère que tout ira bien, surtout avec votre soutien. Et ce que j'attends, c'est la même chose que vous attendez, le sourire de cet enfant, bébé Gloria, qu'elle puisse profiter, qu'elle puisse bénéficier, jouir de son talent, de ses réalisations, n'est-ce pas? Donc, je laisse tout dans les mains de Dieu et je pense que tout ira pour le meilleur. Mes aspirations, vous avez constaté que je suis celui-là actuellement, peut-être l'unique même, hein, qui diffuse au minimum, il n'y a pas du minimum, 30 vidéos par mois. Donc chaque jour, je mets une vidéo en ligne. C'est-à-dire que c'est la preuve d'un travail acharné.
C'est-à-dire que je suis d'abord passionné de ce que je fais. Donc, à partir de là, je pense que les jeunes devraient comprendre que on ne peut réussir qu'en travaillant et en étant honnête, sincère et vrai. Je travaille pas pour être le meilleur, parce que je ne le souhaite même pas, mais je travaille pour être le modèle, pour être une icône dans la vie. Je compte sur cette jeunesse et c'est cette jeunesse qui m'accompagne. C'est pour cette raison que je suis fier de ma jeunesse et je travaille non seulement pour moi, pour ma famille, je travaille aussi pour cette jeunesse qui me suit tous les jours. Salut les fans, je suis Franco. Bienvenue aujourd'hui à l'Info Japap. Maman, la Sokoto, Namelele, c'est le feu aujourd'hui. Vous savez ce qui s'est passé à vous? C'est bon. C'était 7 minutes avec Franco le Mignon. Voilà, j'espère que vous avez aimé l'émission. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker, de partager. Surtout, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire. Voilà, salut, salut. Vous êtes là en face de vous, vous avez là en face de vous Franco le Mignon. Je vous invite et je vous demande de vous abonner à la page Zoroman officielle. C'est un petit génie. C'est un petit qui est en train de suivre mon exemple. Pas petit en âge, mais vous comprenez. Donc, nous allons l'encourager, encourager l'émission 7 minutes avec et d'autres projets qu'il entreprend. Donc, nous sommes là pour soutenir la jeunesse. Il est aujourd'hui dans mon bureau et je l'encourage. Mes félicitations. Merci beaucoup.